Coucou Charlotte, tu vas nous parler aujourd'hui de la formation de maquillage que tu as suivie, donc Your Nails International, et tu vas nous dire un petit peu ce que tu en as pensé. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire cette formation? Alors, je travaille avec une société de maquillage en tant qu'ambassadrice, et c'est des sociétés dans lesquelles on rentre sans avoir d'expérience, toute chose comme ça. Donc, on se forme avec ce qu'ils nous mettent à disposition, mais j'avais envie d'avoir les techniques sorties du contexte du travail, d'avoir des techniques un peu plus approfondies, d'avoir des techniques un peu plus professionnelles. Et donc d'avoir en fait un bagage en plus pour être plus crédible dans ce que je fais. Donc ton objectif, c'était justement que tu sois au top au niveau du maquillage pour justement pouvoir conseiller au mieux tes clientes et voilà, en l'occurrence vendre du maquillage également, mais qui soit peut-être adapté vraiment à chaque cliente. C'est ça? Exactement. J'avais besoin d'avoir cette expérience en plus pour ne pas juste proposer mon maquillage, pour proposer mon maquillage et surtout savoir derrière l'utiliser et montrer à mes clientes comment utiliser les choses, pas juste vendre pour vendre. Voilà, tout à fait. Ben, ça, c'est super. Et donc, du coup, dans cette formation-là, ce que je propose également, c'est de donner des cours de maquillage. Est-ce que toi, tu as déjà envisagé l'idée de donner des cours de maquillage aussi? Alors, j'avais pas pensé à ça D'accord. spécifiquement parce que ça m'était jamais venu finalement à l'esprit de faire des choses comme ça. Mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas pouvoir proposer à mes clientes, moi, quand je vends un produit, une palette, un pinceau, de pouvoir leur apprendre à faire un smoky, de pouvoir leur apprendre à faire des choses comme ça, qui apportera encore du plus à mon entreprise. Bon bah super. Donc en parlant de, enfin voilà, on va parler de la formation. Est-ce que tu as trouvé que tu as appris des choses par rapport à ce que tu savais déjà, par rapport à ce qu'on t'avait appris dans cette société-là? Est-ce que tu as appris des choses en plus? Qu'est-ce que tu as aimé voilà, dans la formation? Moi, je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas formel, c'est pas du cours théorique, c'est pas voilà, on a les choses en face, les choses sont présentées comme si la personne qui nous présente était en face de nous, et c'est mieux que du cours théorique, faut faire comme si, dessiner des machins, voilà, il n'y a rien de mieux que la pratique pour voir, et ça c'est appréciable dans les vidéos qui sont dans la formation parce que c'est un peu comme à la maison, voilà, c'est très personnel, donc pour ça, oui. Et oui, il y a plein de techniques que je ne connaissais pas. La bouche parfaite, par exemple, jamais je pensais à mettre du crayon pour moi. Enfin, voilà, c'était un rouge à lèvres, c'était nos produits, mais ça s'arrêtait là. Effectivement, maintenant que je sais mettre du crayon, ça change tout. Les sourcils aussi, j'ai beaucoup de soucis à maquiller les sourcils. Et là, ça y est, maintenant j'ai la base, je sais comment faire. Donc, ouais. Oh, oui, j'ai appris beaucoup de petites techniques, de petites choses que je connaissais pas. Super. Et le fait aussi d'avoir des cours sur les yeux tombants, les yeux trop rapprochés, trop éloignés, tout ça, peut-être que ça t'a aidé aussi. Les paupières tombantes, Oui. surtout les autres, j'ai pas encore eu le cas, donc je peux D'accord. pas encore trop dire. Je sais maintenant du coup faire les choses, Oui. je sais quoi conseiller, mais pour l'instant j'ai pas eu le cas spécifiquement. Les paupières tombantes, oui. Et là effectivement ça change les choses. La dernière fois j'ai fait un avant après, enfin, avec un œil tombant et l'autre pas parce que j'ai les paupières qui tombent un peu. Et effectivement les petites astuces font ça. Ouais, on voit vraiment la différence. Et quand on sait pas, ben on pense que c'est bien et finalement. Finalement, quand on a la technique, ça va beaucoup mieux. Et du coup, tu as remarqué des différences entre les maquillages que tu te faisais à toi-même avant et ceux que tu fais maintenant? Sur certaines choses, oui. Les sourcils, clairement, ça a tout changé, hein, parce que je les maquillais quasiment pas. Les techniques un peu spécifiques, les smokies, les cut crease, les choses comme ça, où je faisais pas comme j'avais envie, mais pas loin. Et effectivement, oui, voilà, une fois qu'on a les petites choses en plus, on se rend compte que ça fait quand même une sacrée différence. Super. Et est-ce que tu as trouvé que c'était facile de suivre cette formation, voilà, à côté de ce que tu avais à faire, voilà, de tous les jours, ta vie quotidienne, tout ça? Oui, parce que les vidéos sont courtes et que c'est pas une formation pour les yeux qui dure 2 heures où on se dit il va falloir que je la coupe ou alors il va falloir que je réserve 2 heures devant mon emploi du temps et Dieu sait que c'est compliqué. Donc, oui, effectivement, c'est des petites vidéos, elles sont très bien coupées. Donc, voilà, si on veut voir quelque chose de spécifique, on sait où aller, on sait quelle vidéo voir, on n'a pas besoin de revenir, de retourner dans des trucs interminables. Et pour ça, c'est appréciable d'avoir des toutes petites vidéos parce qu'il suffit d'un petit créneau et on se dit, bah, tiens, là j'ai 20 minutes, je vais regarder une petite vidéo et ça le fait.
Donc oui, pour ça, c'est appréciable. Super. Et tu as suivi rapidement cette formation, il t'a fallu combien de temps environ? Alors, je me suis inscrite, je pense que j'ai dû la suivre peut-être en 6 mois, 6 ou 7 mois, en en faisant, bah, pas en étant à fond dedans, hein, puisque je travaille à côté, j'ai mon petit garçon, donc pas à fond tous les jours, hein, j'ai pas fait 8 heures tous les jours, mais voilà, j'ai dû mettre, je crois, 6 ou ouais, peut-être 6 ou 7 mois pour arriver jusqu'au bout. Mais c'est pour ça que c'est appréciable, c'est que j'ai pas besoin de me réserver une semaine complète à manger, manger, manger des formations. C'est à mon rythme, c'est comme j'ai eu envie et ça se fait très bien quand on a quelque Exactement. chose à côté. Bah, c'est top. Voilà. Et donc, du coup, il me semble que tu t'es passé par le compte professionnel de formation, il me semble, hein. Tu peux un peu expliquer comment ça se passe pour les filles qui ne connaissent pas du tout? Et ben en fait, alors grossièrement, on cotise pour avoir des heures, ça s'appelle des DIF, donc c'est des heures de formation qui sont rémunérées, enfin qu'on n'a pas à payer du coup. On cotise pour ça quand on travaille dans n'importe quel domaine que ce soit, parce que moi j'ai jamais travaillé dans l'esthétique. J'étais avant ATSEM dans une école, donc j'ai cotisé pour ça. Et mes heures de cotisation de formation ont été transformées en fait par le site en argent. Et c'est grâce à ça que j'ai pu payer ma formation, parce que clairement, je n'aurais pas pu si j'avais dû sortir de mes sous. Donc j'ai profité effectivement de mes DIF, de mes heures de formation offertes en fait, enfin, pour lesquelles je cotise, pour pouvoir payer ma formation. Et du coup, ben voilà, c'est un gros gros avantage de pouvoir faire comme ça pour ben, du Ah coup ben pour toutes les formations, il y en a clairement, je n'aurais pas. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et effectivement, clairement, je n'aurais pas pu. Bon, Hein, bah top. c'est un gros gros avantage. Ouais, super. Donc du coup, pour celles qui hésitent encore un petit peu à se lancer à distance en se disant, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que c'est très abordable, qu'il n'y a pas besoin de sortir, de se dire qu'on n'a pas de base ni quoi que ce soit. Moi, j'avais un peu de base parce que je suis dedans depuis un petit peu plus longtemps, mais même sans, ça ne pose pas de problème parce que les vidéos sont expliquées correctement, parce que les produits sont abordables. On n'est pas sur des produits qu'on trouve pas, des trucs incroyables où on se dit ouais, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Non, c'est il n'y a pas besoin de suivre des tutos où il faut utiliser tel ou tel produit. Et là, on se dit, bon, bah, je ne les ai pas, ça va pas fonctionner. Là, non, on utilise ce qu'on a et ça fonctionne très bien. Donc, pour moi, c'est très abordable. C'est simple parce que les vidéos sont bien expliquées. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et puis, aux corrections, elles reviennent. S'il y a des choses qui ne vont pas, on sait ce que c'est, on recommence. Et puis, ça coule tout seul. Et justement, en parlant des corrections, est-ce que tu trouvais que c'était intuitif, que je répondais rapidement aux questions qu'il y avait, donc justement Ah sur oui. les évaluations, tout ça? Ah oui, c'est oui. Hein. Moi, j'envoyais les évaluations le soir, et en général, soit c'était répondu le lendemain, soit ça mettait ouais, 2 jours, 3 jours. Enfin, une fois qu'on a envoyé la correction, on n'est pas là à attendre dans l'heure une réponse. Hein. Mais puis on doit être beaucoup. Donc non, non, ça vous. Enfin voilà, les réponses arrivent très rapidement. Et au moins, quand ça arrive, c'est pas juste non, ça va pas, refait. C'est expliquer pourquoi la chose va pas, expliquer si c'est trop foncé, trop clair. Et au moins, ça aiguille, on ne se retrouve pas avec une réponse à se dire, d'accord, ça va pas, mais qu'est-ce qui va pas? Non. On Non, a mais le c'est... pourquoi. Ouais. Donc, globalement, la formation t'a plu. Est-ce que tu la referais si c'était à refaire? Ah, c'est bien. Ah, oui. Et oui, je la trouve très bien faite, je la trouve très facile. Enfin, très facile, tu m'entends, mais facile à suivre. Et non, elle est très sympa. Bon, bah, génial. Bon, on va arrêter là parce que je ne sais pas si tu entends. Je l'entends. Voilà, j'ai bébé qui s'est réveillé. Donc, Pas de souci. merci infiniment hein, pour ton témoignage aujourd'hui parce qu'il y a énormément de filles qui m'ont dit, il y a plein de témoignages sur les ongles, mais on n'en a pas sur le maquillage. Donc aujourd'hui, tu as gentiment accepté de parler de ton expérience dans le maquillage. Et donc, du coup, s'il y a peut-être des filles intéressées par le fait de suivre la formation et peut-être de vendre des produits à côté, parce que voilà, c'est une super opportunité de pouvoir à la fois donner des cours et à la fois vendre le maquillage sur lequel on a donné les cours, On est-ce est qu'elles d'accord. peuvent te contacter? Est-ce que je peux donner peut-être ton mail ou quelque chose? Bien sûr, pas de Ouais, souci. d'accord. Pas Bon, bah, impeccable. Merci beaucoup encore, hein, et je te dis à très Et très bah merci bientôt. à toi. Ouais. Merci beaucoup. Bye. Bye.